est au point critique. Pas de panique. Pas de panique. La race humaine est devenue geek. Et bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro, le numéro 2 de la Taverne des Geeks, l'émission Geek de R2R, le mardi, une semaine sur deux sur R2R, le 19 à 18 à 19h, excusez-moi, j'ai un peu de mal parce que ça prend quand même un peu de temps. Et puis je suis, donc on va continuer les univers geeks, hein, puisque la semaine dernière on a commencé un petit peu avec les comics, etc. Et d'ailleurs mon chroniqueur comics est déjà là en fait, donc Clément, bonjour à toi. Bonjour à toi. Et puis on a une invitée spéciale, enfin on a deux invités spéciales, une deuxième ce sera pour la partie YouTube, mais on a une invitée spéciale ici en studio, c'est une blogueuse, enfin c'est une, je sais plus si c'était encore blogueuse ou si c'était geek en particulier, il s'appelle Vanessa je crois. Oui Vanessa c'est ça. Ou Sauvanès. Sauvanès pour les intimes et pour les internets surtout. Oui oui je vois, et puis voilà on va pouvoir discuter avec toi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses avec quoi on va discuter justement sur les différentes questions qu'on peut te poser. Notamment au niveau d'internet, tout ça, ça peut être très intéressant d'avoir ton avis. Et puis on va faire un petit peu le on va dire, comment on peut appeler ça, un sommaire, une sorte de sommaire de l'émission. Donc en première partie, on parlera de comics avec toujours Clément, hein, qui exactement. S'occupe toujours de la première partie de l'émission. Et ce sera sur quoi en fait? Ce sera sur une série de films, je crois. Là, pour changer un peu, j'ai décidé de parler adaptation de comics. Et donc je vais faire, pas vraiment dans l'original, mais je vais vous parler de la saga de Nolan, donc de Batman. D'accord, donc Batman, il y a combien de films de Nolan en fait? 3 ou c'est il ça? Il en a fait 3. D'accord. Sur cette saga. Donc après, c'est les récents, fait... je crois, c'est ça? Ouais. D'accord, donc c'est ça. Ouais. Donc notamment donc de Dark Knight Rises, c'est ça? Ouais, le dernier c'est The Dark Knight Rises. D'accord. J'ai du mal aussi des fois à l'anglais, surtout que là à 18h c'est un peu difficile après une journée de boulot avec une journée de suite, c'est toujours difficile. Mais bon voilà. Après, deuxième partie, on parlera avec. Avec Sauvanès de plusieurs domaines, que ce soit geek, etc. Plusieurs domaines, jeux vidéo, jeux de rôle, etc. etc. Plein de domaines geek sur lesquels elle s'y connaît aussi au niveau d'Internet. Je m'y connais pas trop, mais. Pas on en verra. Jeux de rôle peut-être, mais en jeux vidéo, non, je pense. Jeux de rôle, pas trop. En jeux vidéo, en Internet, on va pouvoir en parler et puis discuter plein de choses. Et puis. Et puis après, il y aura une partie YouTube, comme d'habitude, une partie YouTube à la fin de l'émission, qui sera avec une interview d'une YouTubeuse qui est une YouTubeuse Minecraft. Donc, vous connaissez Minecraft où on empile des cubes jusqu'à arriver à des grandes constructions qu'on peut avoir facilement, notamment via des chaînes comme Kingar ou autre comme ça. Et ce sera Sama et Samva, c'est une YouTubeuse de la Guilde qui est une YouTubeuse strasbourgeoise, donc totalement de l'autre côté de la France. Et puis, on va pouvoir discuter avec elle de plusieurs domaines aussi geeks. Donc, voilà. Et puis là, on va faire. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du tour de l'émission, après le tour du sommaire. Et puis on va passer une petite pause musicale, ça vous convient? Ouais, ouais, parfaitement, ouais. Ça me va. Et on va passer une petite musique, issue d'un OST en fait, un remix d'OST fait par 16 Guitar 89, issu de Super Mario Sunshine, sorti sur GameCube en 2002, je crois, 2002-2003. Et il s'agit de la Defino Plaza, donc on se retrouve juste après pour le début vraiment avec Clément. Thank you.
Et donc c'était Delfino Plaza, issu de l'OST de Super Mario Sunshine, remixé par 16 Guitar 89, qui est un très bon aussi remixeur au niveau rock de musique de jeux vidéo. Et donc pour l'instant on fait des remix comme ça pour faire écouter des jeunes talents qui sont souvent sur YouTube d'ailleurs. Donc justement on va commencer par la partie comics avec Clément, qui j'espère qu'il m'entend bien. Ouais c'est bon, je t'entends. T'entends mieux. Et donc on va s'occuper de la partie comics et notamment des films de Nolan. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est? Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Je vais commencer par vous situer quand est-ce que la saga de Nolan a commencé. Donc cette saga fait suite à la saga de Schumacher entre guillemets. Donc la saga de Schumacher, c'est Batman et Robin, film qui est... Tu as deux films de Schumacher, tu as Batman Forever qui est en 95. Et tu as Batman et Robin en 97. Qui est le pire Batman ouais, de tous les temps. Exactement, ouais, c'est le pire, c'est un AV. Et donc Batman Begins donc, est sorti en France le 15 juin 2005. D'accord, donc ça fait quand même 6 ans. Ça date un peu, ouais. Donc grosso modo. 6-7 ans même. Ouais, The Dark Knight est sorti le 13 août 2008. Et Dark Knight Rises est sorti cet été le 25 juillet. Qui était d'ailleurs un grand événement, je crois. Ouais. Donc je vais te donner quelques chiffres quand même. Donc Batman Begins niveau spectateur en France c'est du 1,4 million. D'accord. Après avec The Dark Knight ça commence à monter, c'est 3 millions. Et là avec The Dark Knight Rises j'ai regardé les derniers chiffres, on serait aux alentours de 4,3 millions. D'accord. Sachant que les deux derniers films de Nolan ont atteint le milliard de recettes. Le milliard de recettes, donc c'est quand même pas et mal. Et donc Nolan notamment est connu pour vraiment avoir un cinéma bien à lui, un thème bien à lui, donc psychologie. Tout ce qui traite à la psychologie humaine. Donc grosso modo, les films de Nolan, tu as Memento qui est sorti en 2000, tu as Le Prestige, tu as Inception qui est sorti en 2010. Ah oui, Inception, ouais, je connais, oui. C'est très connu, donc c'est vraiment c'est vraiment l'un des meilleurs réalisateurs du moment. Après, faut voir, parce que moi, Nolan, j'en entends parler justement en partie grâce à Batman et aussi par rapport à Inception. Ah ouais, c'est surtout. Et c'est pas mal du tout, hein. Franchement, j'aime bien son style. Mais c'est vrai que par exemple, alors, il y a eu des films avant, en fait, avant la série de Schumacher, il y a eu Batman 89. Ouais, de Burton, ouais, exactement. Qui est le plus connu, l'un des plus connus de Batman, parce que justement, bah, c'était. Je crois que The Dark Knight Rises n'a pas battu le Batman 89. Il n'y a pas encore les chiffres définitifs, en fait. Parce que c'est encore en vente, c'est encore. Ah ouais, c'est encore au cinéma, ouais. C'est puis je sais même pas si c'est sorti dans tous les pays. Il y a eu pas mal d'écarts entre les pays. Donc dans la saga de Nolan, déjà au niveau des acteurs, c'est du lourd. Donc je vais t'en citer quelques-uns, mais il y en a vraiment énormément. Donc tu as Christian Bale, tu as Tom Hardy dans le dernier, tu as Marion Cotillard. J'en parlerai peut-être vite fait un peu. Tu as Anne Hathaway, Michael Caine, Gary Oldman. Aaron Eckhart, Cillian Murphy, enfin bref, tu en as plein. Niveau casting, ouais, c'est un casting, assez, de malade. Assez relevé, quoi. Ah oui, et c'est mérité. Et bon, tu avais aussi Katie Holmes, mais ça, l'actrice a changé entre-temps. Enfin, j'en reparlerai par la suite. Bon, alors mon avis général sur la saga, je le cache pas, pour moi c'est la meilleure saga qui a été faite sur Batman depuis Burton. Ah oui, si tu me dis pas, Burton n'est pas... Enfin, Burton c'est bien, mais moi je préfère le style de Nolan. Disons que c'est vraiment deux styles différents. Burton, c'est plus sur le côté fantastique, il y a plus un côté gothique. Et Nolan, de toute manière, pour lui, son Batman, c'est vraiment un aspect réaliste. D'accord. Sauvanès, tu en penses quoi, toi, justement, de la saga de Nolan, en fait, un petit peu? Alors, moi, je suis une novice totale en Batman. Désolée, je suis très Marvel, en plus, j'adore Iron Man. Mais je me suis initiée parce que mon copain est fan de Batman, donc il m'a emmené au cinéma voir la trilogie de Nolan. Et en tant que novice, j'ai plutôt apprécié. Par contre, je suis une très grande fan de Nolan, donc c'est vrai qu'on retrouve bien son univers ouais, à lui. Exactement, ouais. Que ce soit Inception ou Batman, on voit vraiment que c'est Nolan en fait qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Et il se sert de Batman pour décrire peut-être sa vision de la société actuelle. Puis il y a tout le temps les mêmes. Tu regardes ses films, il a tout le temps les mêmes thèmes. C'est vraiment un cinéma propre à lui, quoi. Donc. C'est-à-dire tu il est vraiment à fond dans la psychologie en fait, du côté pas bien et mal mais un peu la psychose, la folie, c'est vraiment un style particulier. Notamment, je crois que il y avait un personnage, je crois que c'était dans le premier qui avait celui qui était dans Brokeback Mountain qui est mort après. Non, ça c'est dans le Dark Knight, mais je vais en parler par la suite. Dans le deuxième donc. Je vais donner mon avis film par film. Pas de souci.
Je vais commencer d'ailleurs par Batman Begins. Bon, bah Batman Begins, c'est un bon film, mais c'est pas exceptionnel, quoi. C'était vraiment le film qui a vraiment commencé la saga normale. Mais je pense aussi que c'est parce que il y a eu tellement un film tellement nul avant qu'ils ont oui, dû. Oui, aussi. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai senti vraiment la différence. Et rien qu'au niveau du scénario, qui est vraiment très très bon, et au niveau de la psychologie des personnages. Donc, il s'est quand même inspiré des comics. T'as quand même, à mon sens, hein, je me trompe peut-être, mais dans Batman Begins, t'as quand même une trace de Batman Year One. Donc en fait, Nolan a très bien mis en avant la relation entre Alfred et Bruce, et aussi entre la relation entre Batman et Gordon, qui est vraiment très bien exploité dès le départ. Après, le seul reproche qu'on peut faire, en fait, et c'est notamment le cas sur la plupart sur les trois films d'ailleurs, c'est l'exploitation des personnages féminins. Pourquoi ils sont plus faits comme faire valoir c'est pas ça, c'est. Disons que je trouve qu'ils sont moins réussis. Ils sont très intéressants, mais ils sont moins réussis. Du style, est-ce que tu as un exemple particulier? Le personnage de Rachel, qui a été inventé pour le coup, il me semble, il est sympa, mais ça aurait pu être plus approfondi, quoi. Après, peut-être que ça devient des actrices que j'aime pas particulièrement, mais c'est pas super super. Mais après, le film de Batman Begins, j'aurais eu tendance à le qualifier de film d'action, quoi. C'est vraiment un blockbuster, mais intelligent, quoi. Enfin, ça montrait déjà ce que Nolan voulait faire. Et puis en plus de ça, dans le scénario est quand même intelligent parce qu'il arrive à mettre quand même des références aux comics. Donc par exemple, t'as le Ra's al Ghul dans le personnage, donc qui est joué par Liam Neeson, qui est d'ailleurs très bon dans le film. Il va dire à un moment, Ra's al Ghul n'est-il pas immortel? Et alors ça, pour les novices le percutent pas, mais pour les fans de Batman, en fait, il a fait, je crois, hein. Après je me tombe peut-être sur l'interprétation du film, il a fait une référence en fait au bassin de Lazare. Donc ça, c'est vraiment dans le comics. D'accord. Donc grosso modo, le bassin de Lazare, en fait, ça permet à Ra's al Ghul d'être immortel. D'accord, donc pour moi, c'est quand même des références particulières aux comics, justement. Donc, Batman Begins, j'ai bien aimé, quoi. Ça a bien lancé la nouvelle saga. Et surtout, en fait, la scène de fin, que j'avais pas vu le film au ciné, mais je l'avais vu en DVD. Je l'avais vu peu de temps avant la sortie de The Dark Knight. Et la scène de fin est très bien réussie avec des dialogues très percutants. Et la fin donnait envie, quoi. Il montre la carte de Joker. Bah, d'office, on sait que ça sera le Joker dans le deuxième film. Et bah justement, ça me permet d'enchaîner sur The Dark Knight. Alors The Dark Knight, ça a été certainement l'un des films qui m'a foutu la plus grosse claque de ma vie au cinéma. Bah notamment par le personnage de Joker en particulier, quoi. Il est monumental. Why so serious? Ouais, c'est ça. Il est monumental. Heath Ledger, il a mérité entièrement son Oscar posthume. Bon, malheureusement à titre posthume, mais c'est entièrement mérité. Et sachant que moi, je préfère quand même cette version du Joker à celle de Burton. Sachant que celle de Burton reste quand même plus proche des comics. Il est plus fou, en fait, il est vraiment plus. C'est pas fou, le même genre. Disons que là, Nolan, il a fait quand même pas psychopathe, mais comment dire, enfin intelligent, vraiment. C'est vraiment rusé. Un style différent, quoi. Rusé. Ouais, exactement, très intelligent, ouais. Donc The Dark Knight, hein, le scénario est encore plus dantesque que le premier. C'est vraiment je le qualifierais de thriller. C'est vraiment un thriller, quoi. Le film te tient en haleine durant tout le long, même s'il y a des petites longueurs. Mais à part ça, tu sors du ciné, t'es bluffé, quoi, parce que le scénario est tel que tu comprends en une vision, tu peux pas comprendre. Et donc là, est-ce que t'as des références? Je vois pas tellement les petites références qu'il y a. Bon, après, tu vois toujours dans The Dark Knight particulièrement que Nolan, c'est assez paradoxal parce qu'il est britannique. Mais les Américains, tu vois particulièrement dans le film que les Américains, ils ont vraiment encore le traumatisme du terrorisme. Bah oui, c'est normal. Parce que le film est vraiment habité par ça. Puis il y a vraiment une scène qui m'a marqué. Donc je sais pas si tu vas voir à laquelle je fais référence. Pas trop. Moi, j'ai pas trop regardé. Tu les as pas regardés? J'en ai regardé quelques-uns, en fait. J'ai regardé, je crois, un petit peu du premier, en fait. J'ai regardé un petit peu les deux. Ouais, donc tu vas pas voir. Mais en gros, il y a un personnage qui meurt dans le film qui était cher à Batman. Je vais pas dire lequel, on sait jamais, quelquefois que je spoil. Voilà, faut éviter le spoil. Ouais. Et donc tu vas voir, il va voir un plan où il va regarder une pièce. Donc ça, c'est par rapport à Double Face. Et tu vas voir au loin un plan, un fond.
Et en fait, ça fait directement référence aux ruines du 11 septembre. Donc à Ground Zero, quoi. Ouais, en gros, ouais, mais c'est une grosse référence, quoi. Puis même la thématique du film, c'est vraiment la peur du terrorisme. En tout cas, c'est comme ça que je ressens le film. Donc le film est très intelligent, quoi. Sans compter tout le cheminement. Après, on peut critiquer un aspect du film, c'est la manière dont Harvey Dent, donc joué par Aaron Eckhart, devient double face. Ça peut être critiquable parce que pour le coup, c'est pas hyper fidèle aux comics, d'après ce que j'ai pu lire. Mais ça reste malgré tout amené de manière intelligente. D'accord, donc franchement, c'est le deuxième, en fait, c'est vraiment plus. En fait, moi, ah, il est supérieur. Le deuxième, pour moi, c'est le personnage de Heath Ledger, on va dire. Ah pour oui, moi, non, c'est mais vraiment lui c'est clair que, bah, qui base le chose pour avoir vu pas tout le film, mais en partie ouais. Le film. Non, mais c'est clair. Notamment la phrase Wax Osiris. Voilà, les acteurs sont quoi. Tous bons. Bon, peut-être à part Maggie Gyllenhaal, elle a un nom. J'arrive jamais à dire son nom. Mais c'est Heath Ledger qui porte le film, même si après t'as vraiment des excellents acteurs. Mais la grosse révélation du film, c'est Heath Ledger qui, pour le coup, a complètement effacé le personnage de Jack Nicholson de Burton. Donc Jack Nicholson qui jouait Batman. Et puis surtout qu'en fait, au début, il avait fait des films comme Brokeback Mountain qui étaient tellement différents. J'ai pas vu tous ses films. Et d'un coup. D'ailleurs, je crois que je l'ai connu, si j'ai souvenir, il me semble que je l'ai connu grâce à ce film. Mais c'était vraiment un sacré bon acteur. Puis bien sûr, il faut regarder le film en VO parce que la VF est quand même, comme toutes les VF, enfin pour ma part, c'est calamiteux. Oui, c'est ouais, ça. Voilà, ouais. Et malheureusement, mais c'est ça. Le film, la fin du film est énorme, quoi. Le dialogue de fin, c'est un dialogue que j'ai en tête, mais enfin, je vais pas le dire parce que c'est. Je risque de spoiler. C'est trop spoiler. Non, pas ça, mais parce que le dialogue résume vraiment le personnage, en fait. Ça résume à mort le personnage de Batman. Puis tu sors de la salle, t'as bam le titre de The Dark Knight. Ça fait son effet, quoi. Sans compter avec la musique de Hans Zimmer qui est géniale. Hans Zimmer, c'est vraiment un très bon compositeur. Ah ouais. Alors, Hans Zimmer, il a fait aussi des. Attends, je sais les BO. Donc, il a fait Batman Begins. Il a fait The Dark Knight. Il a fait aussi The Dark Knight Rises. Il a fait aussi la BO d'Inception. Donc, en fait, il bosse quand même pas mal avec Nolan. Il a fait quand même des trucs aussi différents. Il a fait aussi la BO de Pirates des Caraïbes. Oui. Et il a fait aussi l'OST de. On aime voir faire deux. Oui, aussi, ouais. Et c'était justement. Et il a fait aussi la BO du Roi Lion pour lequel il a eu un Oscar. Ah oui, donc quand même, c'était quand même. C'est vraiment du lourd. Bon, après, il a un style, on reconnaît parfaitement son style, mais c'est très. Donc The Dark Knight, donc après, je vais enchaîner vite fait sur The Dark Knight Rises. Bon, là, ça va pas être évident. Et surtout que là, ça va être plutôt spoilé, donc. Ouais, et je vais éviter, mais bon. Parce que c'est quand même récent. Alors, la grande question qui est entre les fans, en fait, t'as deux clans. Sur ce que j'ai pu lire sur les forums, ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Non, c'est pas ça. Il y en a qui considèrent que The Dark Knight Rises est un chef-d'œuvre et d'autres qui considèrent que c'est un bon film. Moi, oula. C'est parce qu'il y en a qui ont été déçus par certaines scènes, dont une qui une scène de Cotillard où elle s'est. Je sais pas si t'as vu, mais. Je l'ai vu. Ça va la marquer, quoi. Elle va pas réussir à s'en défaire, et c'est dommage parce que malgré tout, elle a bien joué. Elle a quand même eu un Oscar pour d'ailleurs, la d'ailleurs, pour le petit côté internet, etc., il y a un magnifique Tumblr, donc je vais pas dire ce que c'est la scène pour pas spoiler les gens. Ah non, faut pas, ouais. Mais il y a un magnifique Tumblr qui reprend en fait des gens comme vous et moi qui mettent des gifs en train de la parodier, et c'est juste à mourir de rire, quoi. Et ouais, donc. Est-ce que c'est raté sur cette scène-là ou Pas qu'un peu, ouais. J'ai revu le film une deuxième fois, j'ai vu la scène, j'ai dit non, c'est pas possible, elle avait pas le droit de louper sa dernière scène. Et ouais, donc The Dark Knight Rises, c'est aussi un film différent par rapport aux deux autres. C'est en fait, je dirais que c'est t'as à la fois de l'action, de la psychologie, c'est difficile à définir, mais la particularité en fait de la trilogie, c'est que c'est vraiment des films qui sont bien, qui ont pas le même genre en fait. Qui ont une identité bien propre en fait. Ouais, ils ont. Tu me dis que le premier c'est plutôt un action, le deuxième c'est plutôt psychologique. Je sais pas si le terme d'action ça peut aller au premier, mais en fait. Et le mélange des deux, c'est le troisième en fait. Ouais, enfin ouais, si on veut, ouais, vu comme ça, ouais, on peut dire ça. Mais enfin, c'est vraiment, ils ont une identité propre à eux en fait. Et personnellement, je préfère The Dark Knight Rises pour un tas de raisons. Le scénario est très bien mené encore. J'ai adoré le personnage de Bane. Bon, après, il y avait la fin. Là, pour le coup, je vais pas spoiler parce que personne ne peut s'y attendre sauf les connaisseurs. Mais il y a des grosses références aux comics, dont une scène que j'ai adorée où j'ai pris mon pied parce qu'en fait, c'est une référence directe à Nightfall. Donc, c'est un arc très connu des fans qui a remis en cause en fait le personnage de Batman.
D'accord. Mais je vais pas le dire parce que là, pour le coup, ça serait vraiment spoiler l'un des événements majeurs du film. D'accord, donc ok. Et en gros, tu nous donnes envie de le regarder, quoi. Ah ouais, non, faut le regarder. Faut le voir, il est excellent. C'est celui quoi. Que j'ai pas regardé parce que j'ai pas eu le temps. Et puis à la fin, tu te prends une claque, t'as des grosses références, t'as une ref. Ouais, je vais pas dire cette référence parce que ça serait aussi spoiler le film. Mais t'as aussi des petits caméos qui sont vraiment super sympas, des répliques aussi très percutantes. Mais t'as aussi un acteur qui a fait son apparition, donc enfin plusieurs acteurs. Anna Tawai qui joue le rôle de Selina Kyle Catwoman, qui d'ailleurs Catwoman n'est jamais mentionnée en tant que telle, c'est tout le temps Selina Kyle. Bon, Anna Tawai elle est géniale, hein. Elle a un talent de dingue, j'ai adoré le personnage. Et tu as aussi Joseph Gordon-Levitt, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, c'est... Il a joué dans Inception. Ouais. Et il a joué dans 500 jours ensemble, que je n'ai pas vu mais j'ai entendu beaucoup parler. Et alors, ouais. Pour moi, ça a été l'une des grosses révélations du film. Il joue très bien, c'est vraiment un très bon acteur, et puis son personnage est quand même très important. Et après, bon, bien sûr, t'as Marion Cotillard, mais je vais éviter d'en parler au risque de... À cause de la fameuse scène. Non, elle s'est fait... elle avait pas le droit de gâcher une scène comme ça. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, non, mais t'as vraiment des... Dans Dark Knight Rises, et puis... Ah oui, c'est ça. Et Dark Knight Rises, contrairement à Dark Knight, on pouvait lui faire des reproches qu'il y avait une certaine, des petites longueurs. Dans Dark Knight Rises, t'as pas de longueur. C'est en fait, tu regardes le film, t'es à fond dedans, et puis avec la musique, le jeu d'acteur, c'est vraiment énorme. Sans compter Tom Hardy d'ailleurs, qui est monumental dans le rôle de Bane. Je sais pas si tu vois comment il est le personnage dans le film. C'est le personnage le capture mexicain, enfin c'est un truc qui... Ouais, non, ouais, dans le comics, mais là ils ont fait le masque en fait. D'accord. Ils ont refait le masque et il est impressionnant parce que quand je l'ai vu la première fois au cinéma, il a une telle prestance, il a un tel jeu d'acteur que rien que par son regard, il te fout les jetons quoi. Enfin, c'était vraiment ça quoi. J'ai halluciné. Attention. Non, mais c'est ça. Bon, après, je l'ai vu en VF, j'ai pas eu l'occasion de le voir en VO encore, mais c'est vraiment aussi un sacré acteur aussi. De toute manière, Nolan, c'est simple, dans tous ses films, en général, il prend les mêmes acteurs. Et sinon, après, c'est pas évident de parler de Dark Knight Rises parce que t'as encore... Il y a beaucoup de spoilers. Il y a beaucoup de spoilers. Bon, après, t'as toujours les mêmes thèmes qui ressortent, mais t'as aussi les thèmes, des thèmes un peu plus compliqués, quoi. Sur l'anarchie, c'est pas évident, le film... Faut le regarder en gros, quoi. Ah, il y a un tas de thèmes dans le deuxième film. Puis toujours, t'as encore des références, comme d'hab, quoi. C'est vraiment la meilleure saga quoi qui est... Donc c'est une des meilleures sagas qu'on a jamais vu. Ah, pour moi c'est la meilleure. Enfin, au niveau film, après t'as les séries animées, mais au niveau film c'est vraiment pour moi la meilleure. Après il y a vraiment les fans de Burton et puis les fans de Nolan. Moi je suis un fan de Nolan, puis Burton j'aime pas trop, je trouve qu'il est sur la décadence, mais c'est autre chose. Et sinon d'ailleurs, pour une petite info, donc il y a une semaine, la Warner a annoncé la date de sortie du DVD de Dark Knight Rises. D'accord. Combo Blu-ray d'ailleurs, j'ai vu, ils vont sortir un combo Blu-ray et un coffret des trois films qui a l'air génial. D'accord. Enfin, qui a l'air magnifique parce que ils vont faire comme d'hab un coffret un peu spécifique. Donc, il va sortir le 28 novembre. D'accord. Et le 28 novembre 2012. Donc, je crois qu'il sort il sort plutôt en France parce qu'il me semble que j'ai lu qu'il sortait aux États-Unis le 3 décembre. Oh, c'est rare. On c'est est rare, peu... c'est rare. Ouais, c'est rare, ouais. Et puis sinon, il y a une rumeur après comme quoi, il y a la question qui se pose, est-ce qu'ils vont encore rebooter le personnage ou est-ce qu'ils vont continuer, mais sachant que Nolan a très clairement signifié qu'il ne ferait pas de... Le quatrième film. Non, puis à mon avis, faut pas, vu comment le film se termine, faut qu'il laisse ça comme ça parce que encore une fois, Nolan a fait une fin ouverte. Même pour ce film, il réussit à faire une fin ouverte et je ne pensais pas qu'il en serait capable. Elle était frustrante d'ailleurs la fin parce que bon, j'ai adoré, y a un personnage qui prend de l'importance me suis dit je veux qu'il y ait une suite avec ce personnage là. Ouais, bah surtout l'acteur est quand même très bon, mais oui, puis c'est ça, oui aussi. Et puis c'est ça. Donc je peux continuer ? Oui, y a pas de souci. Ouais. Et donc Nolan, en fait, il a conclu sa saga de manière parfaite. Parce que dans le premier épisode, Bruce Wayne dit qu'il veut être un symbole. Et en fait, dans le troisième film, c'est exactement ça, quoi. Batman devient un symbole. Donc, c'était parfait. C'est chapeau à Nolan, quoi. Il a vraiment rempli ça, quoi.
D'accord, d'accord. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de la saga en soi. Ouais, bah oui, je peux pas en dire plus, vu que je vais pas spoiler. Donc, D'accord. On va faire une petite pause musicale pour passer après l'interview de Sauvaness. Et on va passer une musique des Mocotes. Alors, Mocotes, vous connaissez peut-être pas le nom du groupe, mais si je vous dis Noob, ça vous dit peut-être quelque chose. Oui, je connais. Je connais aussi. Ouais. C'est eux qui ont fait le générique. Ils ont fait le générique, mais ils ont fait aussi une autre musique qui s'appelle Roxor, qui parle de Megazel, donc un des personnages de la série. Et on va passer justement cette musique des Mocotes et on se trouve juste après pour l'interview de Sauvaness. Donc c'était Roxor, de les Mocotes, en fait le groupe les Mocotes, qui est plus connu pour être le groupe des Noobs, enfin le groupe justement qui fait les musiques de Noobs d'ailleurs, Lionel Tazzaghini qui est le chanteur du groupe, et Maître Zen. Ah ouais ? Eh oui. D'accord. C'est à partir de la saison 2 qu'ils ont commencé à discuter de ça, et de toute façon je pense qu'on en discutera dans une autre émission qui s'appelle Privacy Lyon la semaine prochaine. Il y aura plein de choses à parler de toute façon sur le niveau des séries, donc ce sera jeudi prochain, donc jeudi 16 je crois, jeudi 16, donc jeudi prochain, enfin jeudi pas là mais jeudi d'après, de 20 à 21h voilà. Et voilà, c'est pour vous dire une petite pub, comme ça, tranquillement, on profite. Et puis là, on est avec Sauvaness. Donc Sauvaness, on te connaît via le blog sauvaness.wordblog, enfin WordPress, c'est ça ? WordPress. WordPress.com. Et donc tu avais arrêté à un moment la donnée ? Tu avais arrêté il y a peu de temps ? Oui, en fait, de ce blog et de mon activité très prolifique sur Twitter, j'ai rencontré d'autres gens, et ce qui fait que maintenant je participe à d'autres blogs, donc notamment The Web Tape. Donc si vous êtes passionné de musique, je fais ma petite pub. visitez theweptape.net, un site d'actu musicale, concerts, etc. Donc moi je m'occupe par exemple de couvrir l'actualité sur Rouen.
Je travaille aussi sur l'Ocita, donc un site de technologie où je parle pas mal de trucs plus ou moins geek. D'accord. Et voilà, et j'ai lancé aussi avec quelques connaissances de Twitter qui sont aussi devenues des amis, Rouen Perplexe. Rouen Perplexe, j'en ai entendu parler de... Fait un petit buzz en fait à la base, Gauthier et moi, on avait décidé en secret de faire un blog anonyme. Et donc il avait fait une profil pic Twitter avec nos noms écrits en tout petit. On s'est dit, les gens au bout d'une semaine vont trouver que c'est nous. Sauf que personne n'a trouvé, du coup, sur tout Twitter de Rouen, les gens cherchaient mais qui est Rouen Perplexe. Ils nous ont traqués pendant un mois ou deux. Et au final, on a fait notre coming out Perplexe parce que ça devenait ingérable. Ah, puis, c'est sympa ça, le concept. Ça, fallait tomber. On l'a pas fait exprès en fait, ça nous est tombé dessus. Du coup, on s'est pris au jeu. Et du coup, là, c'est un peu en berne aussi parce qu'on n'a pas le temps. Lui, il est en droit. Moi, je suis en M2 de marketing, du coup, on n'a pas vraiment c'est le temps de gérer. Le droit. Donc t'es étudiant, donc étudiante en M2, c'est ça, Master 2 ? Master 2 marketing, donc c'est ma dernière année plus précisément, mes trois derniers mois de cours, après c'est le stage. Le stage, c'est après où tu vas ou tu as oui, pas c'est encore, bon, j'ai trouvé. T'as trouvé, c'est tant mieux, parce que des fois les stages, c'est difficile, hein, pour avoir fait justement un stage en tant que en DUT, c'était difficile. Je sais très bien que c'est difficile. Et justement, tu es geek en fait, donc en fait, quels sont tes univers geek à toi ? Alors... tout ce qui est comics, je suis assez novice, hein, donc voilà. Mais je suis plutôt Marvel, ça, on l'a compris. Ah non, faut pas. Désolée. DC, c'est les meilleurs. Sinon, la guerre DC Marvel. Je suis pas mal tout ce qui est Nintendo, les petits jeux genre Game Boy. Alors ça, j'étais très très friande de Game Boy quand j'étais petite. Pokémon, alors ça, c'est ma grande passion. Pokémon. Pokémon. Et d'ailleurs à Japan Expo, donc plutôt Comic-Con, quand j'y vais, à chaque fois je vais sur le stand Nintendo, j'essaye les nouveaux jeux, même si je dois faire la queue, c'est pas grave. T'arrives à avoir de la place parce que c'est dur, hein. Il y a un peu de monde quand même à la Comic-Con ou même à la... surtout beaucoup. À la Japan. Ouais, surtout mais cette année Japan. Je trouvais que Comic-Con avait eu plus d'ampleur et j'étais assez contente parce qu'il le mérite. Ouais, enfin le contenu après c'est... J'étais déçu par le contenu que j'y étais. Moi, je suis allé à Japan Expo. D'ailleurs, on s'était raté, dommage. Oui, on s'est raté. On s'est raté à peu de choses près. On avait pourtant nos téléphones. On avait pourtant les téléphones, mais moi, j'avais plus. Toi, t'avais plus de réseau. Moi, j'avais plus de batterie. Et malheureusement. Il y avait beaucoup trop de monde de toute façon, donc c'était pas évident. C'était pas évident. Et surtout que, voilà, quoi, la Japan Expo, franchement, bah, d'ailleurs, tu participes, je crois, tu participes à un certain truc particulier à Japan Expo. Oui, donc ça fait 2 ans, en fait. Ils ont créé, donc en 2011. Les Japan Fashion Days, donc ils invitent des créateurs de mode japonais et ce sont des modèles amateurs, donc comme moi, qui défilent, donc des fans, pas forcément des fans, hein, parce que moi il y a des marques que je connaissais pas, mais on envoie nos photos, si ça plaît aux japonais, on défile. Intéressant. Et donc l'année dernière c'était écolière et un autre défilé gothique. Donc deux univers différents. Écolière, wow. C'est mieux, quoi. Gothique. Non, gothique, c'est bien aussi. Ça va être spécial, c'était quand spécial. Même. J'avais des oreilles de lapin faites en cheveux. Un peu univers Lady Gaga, un peu. Ça. Ah ouais. Mais c'était pas mal. Ils t'ont pas sorti la Rambovion. Non. Ça va. J'ai pas eu le droit. Et cette année, là, j'ai eu un truc complètement décalé. J'avais une robe en plastique. Avec, il y avait une doublure en plastique. En fait, il y avait genre des lunettes dedans, des espèces de petits Pac-Man. C'était complètement décalé en mode kawaii à Harajuku, quoi. D'accord. Et justement à la Japan Expo, est-ce que tu as pu participer à des trucs ? Est-ce que tu as pu justement aller voir quelque chose à la Japan ? Est-ce que tu... Alors cette année, j'ai pu en profiter parce que contrairement à l'année dernière, j'avais qu'un seul défilé. Donc là, j'en ai profité. Donc j'ai fait un peu le tour rapide de Japan Expo. Je suis allée sur les stands des créateurs de mode, ce qui m'intéressait le plus. Parce qu'après, il faut avouer que c'est devenu un espèce de grand marché où ils vendent tous un peu tout et n'importe quoi. Malheureusement, oui, parce que j'ai vu des trucs, par exemple, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ce truc-là ? Enfin, par exemple, le style, les Rage Face et ce truc comme ça qui était vendu, je me suis dit pourquoi. Ouais, et puis certes, tous les stands se ressemblent, ça devient un peu n'importe quoi. Mais c'est aussi Expo, parce que c'est aussi parce que peut-être il y a des youtubeurs et tout ça qui sont venus et tout ça, peut-être que aussi ça a dû vu qu'il y a eu une communauté internet maintenant qui est beaucoup plus développée qu'avant. Parce ah oui, non, mais c'est pas ça avant, que le Japan Expo, que c'était je plus otaku, c'était plus vraiment vers les otaku particuliers. Moi, j'aime bien justement ce changement parce que c'est une communauté qui est censée être ouverte, mais ce que je reproche à Japan Expo même, c'est le fait que tous les vendeurs, vraiment les vendeurs, hein, ce soit vraiment tous les mêmes choses, les mêmes accessoires à la con qui vont tous te vendre 20 euros, alors qu'à la base, c'est pas censé être ça, quoi. Complètement d'accord. Il y a tous les stands se ressemblent. En général, ils vendent la plupart les mêmes produits. Sans compter que certainement, il peut y avoir de la contrefaçon dans le lot, quoi. Oui, je pense, j'imagine. Et... Du coup, après, je me suis plus attardée côté Comic-Con, ce qui m'intéressait plus. J'ai rencontré sur Twitter le gars qui gère la marque Otaku Gameware, donc je pense que vous connaissez. Non, pas du tout. Ils ont fait une série de t-shirts avec Katsuni, donc ça, je pense que oui. Ça a dû bien marcher.
C'est quoi ça? Katsuni, tu vas pas me dire que je connais pas. Ah Katsuni. Non, je connais pas. Moi, je reste cloîtré dans mon c'est univers. C'est un peu comics, 18 plus là. Ouais. Ah ouais, c'est bien. 18. J'étais pas sûr. J'ai préféré pas dire de bêtises. C'est Peggy 18 là. Ça risque d'être d'accord. Très compliqué. Très sympathique comme ça. Moi, j'en ai un du coup que j'ai acheté là-bas. Donc c'est Katsuni et ses formes sont un peu cachées par le Tetris en fait, qui est derrière un jeu de Tetris. Et on peut y jouer au jeu de... Pour aller en soumettre l'idée de faire un petit jeu comme ça, ça pourrait être sympa. Donc j'ai pas mal visité leur stand, du coup je suis allée voir à Flanders. La Flanders, les visiteurs du futur, les noobs. Les graphes chériques. J'ai un peu visité bien. Aussi le petit carré des éditeurs amateurs d'univers un peu geek. J'avais un ami qui est très à fond dans les jeux de rôle, du coup il m'a un peu emmené là-bas. C'était plutôt sympathique. C'était plutôt sympathique. Moi aussi j'avais bien profité justement en regardant notamment l'épisode final de la Flanders, qui m'avait vraiment fait mal d'ailleurs. Toi, tu l'as pas encore regardé d'ailleurs. Non, je l'ai pas encore regardé, donc pas de spoil. Je te le passerai, j'ai ce qu'il faut. Mais voilà, justement, au niveau de jeux vidéo, tout ça, en fait, je parle de jeux vidéo, et quel personnage de jeux vidéo tu garderais? Franchement, si tu avais un personnage de jeux vidéo à garder, vraiment, tu prends lequel? Peut-être Link de Zelda, ça m'a... Oh, c'est un classique, ça. Ouais, mais je sais pas, il m'a occupé à la récré pendant la primaire. Avec Link's Awakening. Franchement, c'est... Ou sinon un Pokémon, mais alors là, lequel? Pikachu. Bah, pas forcément. Rondoudou, peut-être. Moi, ça Rondoudou, va, il est sympa, ouais. T'as l'embarras du choix. Il y en a plein. Je sais pas combien il y en a là, mais rien qu'au départ. Il y en a entre 400 et 500 maintenant, je crois. Ouais, c'est ça, ils arrêtent ouais, pas. C'est... D'ailleurs, il faudrait qu'ils arrêtent parce que franchement, le Pokémon, c'est de plus en plus dommage. Faire cette année, j'ai fait des photos avec les Pokémon. Okay. Mais m'expliquer. Mais bon, voilà, il y a plein de choses à voir. Et puis après, justement, donc tu es sûrement perplexe, tout ça. Est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres réseaux sociaux? Sociaux, j'en ai plein. Donc d'abord Twitter, donc @sauvaness, grand classique. J'ai quoi d'autre? J'ai Pinterest, j'ai Foursquare, mais bon, là c'est plus pour les gens qui me connaissent, j'accepte pas tout le monde. J'ai quoi d'autre? J'en ai tellement, j'ai de passe aussi. Google Plus, j'ai deux comptes Google Plus, je tiens à préciser. Ça existe ça? Non seulement ça ne sert à rien, mais j'en ai deux. Oui, bah, j'ai Facebook comme un peu tout le monde, où j'ai je gère certaines pages, notamment. Bah... Ah oui, je vous avais pas parlé, j'écris pour Un Gars, Une Geek aussi, qui est un site geek. Donc on parle de jeux, d'un peu tout. Et donc du coup, ouais, je m'occupe aussi de la page d'un gars geek. Après, qu'est-ce que j'ai tellement de réseaux. En fait, à peu près tout ce qui sort, j'essaye. Après, ça me plaît pas, mais je fais un compte, j'essaye. Je suis très très curieuse de ça. D'accord. On va passer une petite pause musicale. Et puis après, on va passer à la partie YouTube, et notamment à l'interview de Sama et Samva, donc la youtubeuse strasbourgeoise qui a fait du Minecraft et qui fait d'autres choses, notamment du glue style, je crois, c'est un truc comme ça. Enfin, glue style. Ouais, vous allez voir bientôt justement l'interview. Ça fait un peu peur le nom, mais. Et on va passer une musique de l'OST de Suikoden 2. Donc un jeu qui est pas très connu sur PlayStation. Et il s'agit Tous vos work must eat, voilà, c'est le mot un peu bizarre. Et je pense que vous allez reconnaître pour ceux qui connaissent Noob également, puisque je pense que vous reconnaissez un petit peu la musique. Et on se retrouve juste après pour l'interview de Sama et Samva. Thank you.
Donc c'était Work Must Eat. C'est un mot difficile à dire en un seul mot. Et puis voilà, donc franchement c'est pas mal comme musique. Hein. Suikoden 2 quand même. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là ou pas. Non, par contre la musique, ouais. C'est la musique à la fin de Noob, elle est connue. Ouais. Ça c'est parce qu'elle est connue à cause de Noob. Mais c'est grâce à Noob. Ah d'accord. C'est si d'origine de Suikoden 2 en fait. C'est un jeu. C'est un des meilleurs RPG en fait sur PlayStation. Donc avec les Final Fantasy également, parce que les Final Fantasy sont pas mal. Et les Suikoden ne sont pas très connus par rapport aux Final Fantasy, alors que quand même c'était un très bon jeu. Pour d'accord. y avoir testé moi-même, Suikoden 1 et 2 sont vraiment pas mal du tout. Par exemple, c'est les préférés du joueur du grenier, par exemple. Ah, joueur du grenier, mon dieu. Tu vois, joueur du grenier, déjà, si tu dis joueur du grenier qui adore ça, donc ouais, c'est déjà, quand même ouais, que c'est... tu peux te dire quand même ça c'est un envie. Bon jeu. Tu peux te dire au moins c'est des bons jeux. Quoi. Joueur moins, du grenier, c'est une référence. C'est une référence. Donc quand même, si lui dit que justement ce jeu-là c'est un des meilleurs qu'il avait jamais vu au niveau RPG, ouais. C'est qu'on peut quand même le croire, quoi. vu tellement de jeux, il se tape, c'est un peu. Surtout de la merde. Ouais. Surtout de la merde, c'est vrai. Et puis voilà. Et puis on va passer à la partie YouTube. Et justement, il n'y aura pas de petit buzz, parce que la semaine dernière, il y a un petit souci d'ailleurs. Je m'en excuse pour ceux qui ont la partie vidéo, parce que je fais ça sur la partie vidéo aussi de TGS67 Productions. Vous n'avez qu'une partie de la vidéo sur YouTube, enfin, vous n'avez qu'une partie de la vidéo sur la partie YouTube, parce que on m'a à moitié bloqué dans le monde entier, quoi. Ouais, copyright, donc ouais, c'est dommage. Forcément. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est malheureusement ce qui peut se passer quand on met des vidéos sur YouTube et qu'on met des vidéos sous copyright, enfin, il y a des trucs sous copyright et qu'on s'en rend pas compte, ou alors que les personnes sont assez bêtes pour les bloquer. Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième solution, parce que 300 millions de vues sur YouTube, je vois pas pourquoi on montrerait pas l'image principale. Mais bon, passons. Petit coup de gueule en passant, parce que voilà, ça m'a vraiment énervé à ce moment-là, et surtout que j'avais pris beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà, et puis on va passer à la partie YouTube. Donc il y a une interview, on va faire une interview de Sama et Samba. Je sais pas si vous connaissez un petit peu de nom. Pas du tout. Je ne connais pas ton rayon. Moi je suis pro comics et c'est tout. Comics. T'es pro comics, donc tu n'es pas spécialiste YouTube. Ah non, je connais pas YouTube, hormis les gros noms, mais je connais et pas du aussi, tout. Et moi aussi, mais ça bon, m'intéresse ça, c'est pas différent. Trop. Donc, Et donc en fait, c'est une YouTubeuse strasbourgeoise qui fait du Minecraft, qui fait aussi du Bayonetta, il fait plein de choses. Minecraft, je connais. Ouais, Minecraft, c'est connu quand même. Hein, quand on empile des cubes et puis on y arrive, quoi. C'est tout simplement ça, on empile des cubes. Et c'est moche. Non, c'est pas moche. Moi, j'aime bien un petit côté rétro c'est, comme ça. C'est côté rétro, donc c'est pas mal du tout. C'est cher pour ce que c'est. Ouais, oui et non, quoi. Oui et non. Mais de toute façon, on va la laisser parler elle-même parce qu'on a fait une interview il y a quelques jours au studio et puis on va vous Oula, j'ai perdu. Donc je disais, on va voir comment elle discute, etc. On va voir beaucoup de choses à poser. On a posé beaucoup de questions, on a beaucoup eu de questions particulières. Et puis je vous laisse avec ça et on se trouve juste après pour la fin de l'émission. Et vous êtes toujours sur la Taverne des Geeks, l'émission Geek de R2R, le mardi de 18 à 19h, une semaine sur deux. Et nous commençons notre aventure sur YouTube après Baltou, qui a été le premier invité. Il s'agit d'une autre invitée, une demoiselle pour une fois, et elle s'appelle Samaï. Bonjour à toi. Bonjour. Donc justement Samaï, on te connaît, enfin je te connais un petit peu de vue parce qu'on se connaît via la guilde. Mais je sais que tu es une youtubeuse qui fait notamment du Minecraft et d'autres choses. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi c'est Samaï Samva, je suis une petite jeune youtubeuse depuis février 2012. Donc oui, ma chaîne n'a pas beaucoup de mois pour l'instant. Et je fais essentiellement du Minecraft. J'ai commencé par ça, avec une série de déco, enfin voilà, la base, hein. Et je fais une série ultra girly, un peu what the fuck, qui fonctionne assez bien. Et surtout, c'est complètement le côté décalé du truc. Surtout que ça s'appelle Charlotte Craft, c'est ça? Charlotte Craft, exactement. Et là, pour diversifier un peu plus, je propose un let's play sur Bayonetta sur Xbox. Voilà. Bayonetta, c'est un jeu, je ne sais plus quel jeu c'est Bayonetta, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Alors en fait c'est un beat'em all, ce qu'on appelle un beat'em all, c'est-à-dire que tu avances, tu butes du monstre. C'est sur le principe de God of War, Devil May Cry, c'est fait justement par le papa de Devil May Cry, donc pas la même boîte. Et donc c'est un jeu qui est assez sympa et qui est très très bien fait, le gameplay est très intéressant. D'accord. Et justement ce qu'on peut se demander c'est déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? En fait t'as commencé assez récemment, c'est en février, c'est ça? Exactement, en février, en fait, avant j'avais en fait un serveur Minecraft
Et au fur et à mesure, je m'étais donc téléchargé, on va dire, légalement, n'est-ce pas légalement, donc Frappe, pour enregistrer tout simplement nos parties, nos délires sur le serveur. Et puis après le crash de mon ordinateur, j'ai décidé de les mettre sur YouTube pour les garder en mémoire. Donc pas du tout dans une optique de montrer notre travail, tout était en non répertorié. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ne pas utiliser cette chaîne YouTube pour pouvoir montrer mes aventures solo. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que ça a plu à un public. Et tu as dépassé les 500 abonnés à peu de temps, je crois. En plus, tu as fait une vidéo spéciale, je crois, sur une musique assez connue, enfin maintenant hyper connue, qui a plus de 200 millions de vues sur YouTube quand même. C'est le Blue Blue Style, c'est ça ? Le Gangnam Style, la version dindon. Ouais, c'est ce qui me caractérise, c'est que j'ai de la merde en tête. Hein. Mes vidéos, c'est gros what the fuck. Et donc, j'ai décidé de refaire la reprise de Gangnam Style, spécial 500 abonnés, mais version dindon. Donc, je me suis enregistrée en réécrivant les paroles, en me réenregistrant, en refaisant la musique, version karaoké, et en demandant à mes abonnés de bien vouloir danser le Gangnam Style pendant 10-15 secondes, tout au plus, pour que je puisse mettre leurs vidéos sur ma parodie, en fait. Ouais, j'imagine, je crois que j'ai participé, par hasard. J'ai dû participer. C'est au tout début de la vidéo, en plus. Exactement. Exactement, je me rappelle très bien. Et justement, on peut se demander, parce que tout youtubeur a obligatoirement un univers geek, pour moi c'est quand même obligatoire qu'un youtubeur a des univers geeks. Et justement, ce que je peux te demander, c'est quels sont tes univers geeks à toi exactement? Alors, personnellement, je me considère comme ce qu'on appelle une Weeby 2.0. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les roleplayers, il y a les gamers, etc. Moi, je voue un culte aux conneries sur Internet. J'ai un gros, gros passé. Du SylvieDM, etc. Ouais, exactement. Le Lombric, Ecoreus, Sportchan, ce genre de choses. On va dire que je suis un peu l'encyclopédie de toutes les conneries sur Internet avec tous les mèmes. Et je suis vraiment friande de ce genre de choses. Et choper les petits fichiers à droite à gauche qui feront rire les gens, etc. C'est vraiment l'univers geek, conneries geek que j'affectionne beaucoup. T'es vraiment plus web que comics, etc., BD, y a pas... Exactement, je peux en lire quand même. Je suis une grande fan notamment dans les comics, mais si on parle de comics, de Deadpool. Dans les séries plus sci-fi, je suis plutôt Battlestar Galactica. En film, les Star Wars, la base. Et après, oui, en lecture un peu moins, je t'avouerai. Sinon, non, je suis ouverte vraiment à la culture geek en général. Pas beaucoup, je veux dire spécialisée, Mais là, dans ce que je me spécialise, je pense, c'est le web, effectivement, les conneries sur le web. D'accord. Et là, je vais te poser une question qui va sûrement te surprendre. Si tu as une seule œuvre geek à sauvegarder, vraiment, si tu avais le fin du monde qui arrivait dans quelques jours et que tu devais sauvegarder, et on te demandait de sauvegarder une seule chose, ce serait quoi ? Oh là, la question qui tue. Alors bien sûr, on va laisser le blabla à l'air de dire oui, mais ce serait dommage d'en laisser certains et pas d'autres, nanana. Je penserais surtout. T'as pas trop le temps, je crois que c'est la fin du monde après, donc c'est un peu compliqué. Je penserais justement à Super Mario Land en fait, parce que j'y avais joué sur Game Boy et on peut vraiment dire que les Mario, comment ils ont fait, ils ont vraiment révolutionné en fait, le side scrolling, on peut le dire. Avec pour une fois des sauts qui sont bien gérés, parce que à l'époque ce genre de jeu les sauts étaient juste foireux, on peut le dire. Et puis même pour l'univers qu'il y a eu autour, tout ce que l'impact de Mario en général, la licence Mario a développé dans le jeu, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je pense que ça serait le petit bonhomme, le petit plombier à la moustache qu'il faudrait sauvegarder, rien que pour l'histoire et l'impact qu'il a eu sur le monde vidéoludique. Voilà. D'accord, je vois. Donc, vraiment fan de Mario, mais vraiment, tu te dis, c'est la seule œuvre que tu sauvegarderais, vraiment, c'est ça Alors, pour le côté historique, pour le côté historique et archivage, on va dire, du côté du domaine vidéoludique. Après, je suis pas non plus une fan inconditionnelle de Mario, mais je pense que s'il fallait en garder une œuvre vidéoludique, ça serait Mario, rien que pour l'influence qu'il a eue sur le futur du jeu vidéo, ouais. D'accord, je vois. On va te poser quelques petites questions. Enfin, je vais te poser quelques petites questions en deux choix possibles. Donc, ça va peut-être te surprendre et des questions peut-être qui vont peut-être te plaire. Alors, la première question, c'est jeu de rôle papier ou comics en fait. Jeu de rôle papier.
Pourquoi ? Pour le bonheur de se retrouver ensemble autour d'une bonne bière. ça peut être très intéressant, j'imagine très bien, je connais très bien ce genre de choses. Une blanche. Minecraft ou Terraria ? Ah, Minecraft sans hésitation, parce que Terraria... T'es une spécialiste en plus, donc te demander ça, c'est une question assez simple. Et... également, alors, Diablo X9, donc COD, donc Call of Duty, ou plutôt Let's Player, ça veut dire vraiment, t'es plutôt Call of Duty, t'es vraiment joueur de Call of Duty, ou plutôt Let's Player particulier ? Let's Player particulier, c'est-à-dire que souvent, un Let's Play, quand il est fini, la personne qui fait le Let's Play va faire un autre jeu, etc. Alors que Call of, malgré les différents Call of, ça reste, on peut dire, tout le temps la même chose, hein. Voilà, la licence ne se renouvelle pas beaucoup. Et je préfère limite regarder un Let's Player qui saura se renouveler, même si par exemple Diablo X9 se renouvelle, ce genre de choses. Mais non, je préfère choper dans plusieurs jeux. Et enfin, petite question, grandeur nature, ou alors jeu vidéo ? Donc univers virtuel ou univers réel ? Univers réel, grandeur nature. Pour cette question, je dirais les deux, parce qu'il faut l'un et l'autre. Normalement, il n'y a qu'une seule choix quand même. Ah, vraiment. Non, alors, je dirais jeux vidéo plutôt, parce que on n'a pas forcément besoin de la sphère IRL, mais la sphère IRL est intéressante aussi parce qu'elle tire ses racines aussi peut-être à côté roleplay, même des fois vidéoludique. Donc, oui. D'accord. Eh ben, on est bientôt à la fin de cette interview. Est-ce que tu as des choses à nous dire avant de nous laisser ? Dindon style. Dindon style. T'as pas d'autres, t'as pas une dédicace particulière, je sais pas. Bonjour à tous. Tous ceux qui écoutent sur A2R et sur ma chaîne également. Voilà, exactement. Si vous nous écoutez, bonjour à vous. Mais voilà, il y a pas vraiment de dédicace particulière. C'est juste dis bonjour à tout le monde et c'est tout. Bah sur Rouen en fait je connais pas beaucoup de monde. Ouais mais sur internet tu dois quand même du monde quand même, tu dois connaître un petit peu de monde. Allez, gros big up à toute l'équipe de la guilde d'Alchimie Chanel, voilà. D'accord. Et ben, je te remercie d'avoir participé à cette émission et puis si un jour tu veux participer à mon émission en tant que chroniqueuse ou autre chose, il n'y a aucun souci, j'ai déjà donné les modalités sur ma chaîne, si t'es intéressé, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve bientôt, de toute façon, bientôt je pense. Merci à toi pour l'invitation. Hein. Mais il n'y a aucun souci, c'est normal, c'est pour faire connaître des petits youtubeurs et voilà, c'est tout à fait normal. Donc voilà, et c'était donc Sama et Samba pour... Et donc c'était Sama et Samba pour la Taverne des Geeks. Merci à elle d'avoir participé à cette interview. Surtout qu'elle avait eu du temps, elle a pris du temps pour justement discuter avec moi de différents domaines geeks. Et vous avez vu quand même, c'était assez intéressant en tout cas. Ah ouais. Le Dindon Style, ça m'a assez style, j'ai bien aimé, ouais. De toute façon, vous pouvez très ça trouver sur sa chaîne. Donc c'est www.youtube.com user Samai, S-A-M-A-I, S-A-M-V-A, donc Sama et Samba. Sur YouTube et vous cherchez Glouglou Style, vous arrivez rapidement sur sur cette chaîne là et sur les éléments de cette chaîne là. Et puis là on est bientôt à la fin de cette émission, on est déjà à la fin. Est-ce que tu as des choses à dire avant de quitter la radio, enfin je sais pas. Non, des trucs à dire, je sais pas, rien de spécial, non, rien du tout. Non, bah dédicace à Fakir. Dédicace à Fakir, rien d'autre de plus, des personnes que tu voudrais participer, non rien. Non, parce que je pense pas qu'il m'écoute, donc. Et puis Vanessa alors ? Bah d'abord merci de m'avoir invité. Pas de souci. Ensuite, je sais pas, dédicace à tous les gens de Twitter et à ma fac de marketing. D'accord. À Pasteur, on est gentils aussi. Et c'est la fin de cette deuxième émission de la Taverne des Geeks, j'espère que vous avez aimé cette émission. Vous pouvez la suivre sur ma chaîne TGS107 Productions ainsi que sur R2R, 101.3 FM à Rouen et radio-r2r.fr partout ailleurs. N'oubliez pas que le 9 octobre, pour ceux qui sont à Rouen, un concert d'Igrayaka et Makasigwe est organisé par l'association R2R Radio de Rouen, donc la radio étudiante de Rouen, et ce sera 5€ pour les extérieurs, 0€ pour les étudiants et les adhérents de l'association, voilà. Et j'espère que vous y serez, en tout cas moi j'espère y être, je pense. Et on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures, que ce soit sur YouTube ou R2R. C'était TGF, stay tuned. Quand le Big Boss va débarquer, j'ai 2, 3, 4 geeks dans l'entourage. Des geeks, il y a du play.
geeks. Les geeks. Très discrets, ils savent se cacher, s'entraînant derrière leur télé, élaborant des plans devant leurs écrans.